Bonjour Thomas Zinski, bienvenue dans cette vidéo sur l'UE6, destination des K1 de l'EFOM, pour la présentation de la masothérapie de l'examen au moyen, deuxième partie d'enseignement théorique sur ce sujet. L'objectif de cette deuxième partie d'enseignement est de faire un rappel des éléments de la première partie pour réancrer ces éléments principaux, puis d'essayer de voir comment on peut commencer à lier l'examen, le raisonnement et les moyens en kinésithérapie. Nous rappellerons en premier lieu que le masseur-kinésithérapeute intervient à la fois en préventif avant qu'un trouble ne se développe ou pour éviter l'aggravation de ce trouble, ce que nous avions vu avec les paliers de l'OMS sur prévention de premier, deuxième ou troisième rôle. Nous pouvons aussi avoir une action curative pour résoudre un problème et réussir à ensevrer le patient, mais aussi en palliatif quand il y a besoin de compenser une fonction ou un organe défectueux. Comme par exemple, nous avions évoqué le fait de pouvoir béquiller ou mettre des attelles. Nous avions aussi énuméré l'ensemble des outils disponibles en kinésithérapie pour le diagnostic. Nous avions parlé de l'observation, le fait de voir quelqu'un bouger, de voir comment il se tient peut donner de l'information. Nous avions évoqué aussi l'auscultation, le fait d'écouter le débit sanguin, la circulation ou les articulations aériennes ici au niveau du thorax ou l'abdomen peut être intéressant. On a l'entretien qui est une part extrêmement intéressante et importante pour le diagnostic en kinésithérapie, la stimulation des sens, comment la personne sent le toucher ou sent une odeur ou peut avoir une fonction vestibulaire correcte, la palpation qui est un des outils mais pas le seul outil pour le diagnostic kinésithérapique, apprécier la résistance des muscles, apprécier la forme de l'articulation, voir s'il y a une luxation ou des problèmes de ce genre. Ensuite, il y a bien évidemment la mobilisation et les exercices qui peuvent nous aider en voyant comment la personne peut bouger et comment, quand nous bougeons nous, ces articulations, qu'est-ce que ça donne? Et enfin, vous avez aussi évoqué que en thérapeutique, les outils du kiné peuvent être catégorisés comme en trois grands champs. Le champ éducatif, d'éduquer la personne sur des aspects de sa pathologie ou certains aspects physiologiques normaux, qui vont être extrêmement importants pour que la personne puisse devenir maîtresse de l'évolution de sa situation de santé. On a aussi envisagé les éléments actifs quand la personne était active, réalisait quelque chose suivant un de nos ordres, et puis les éléments passifs où la personne, dans ce cas-là, ne mobilisait pas son propre corps et se laissait guider par le thérapeute. Nous aimerions maintenant apporter de nouvelles notions. Nous avons présenté la kinésithérapie comme la thérapie et le corps de la professionnelle de santé spécialisée dans la fonction, dans la gestuelle de la personne. Quand on s'interroge sur qu'est-ce qui fait la fonction d'une personne, ben en premier, on va dire les capacités de son organisme. Et ces capacités, elles vont être soit amplifiées par des éléments de support, facilitateurs, ou au contraire restreintes par des éléments de contrainte. Ces contraintes soient internes ou externes, ou les supports pareil, internes ou externes. Qu'est-ce que nous entendons par les capacités? Ben les capacités de l'organisme, c'est les degrés de liberté qu'il dispose sur une articulation ou pour un mouvement. En fonction de la configuration d'une articulation, en fonction de comment est saine cette articulation, on a différentes capacités de mouvement. Chacun, il y a une part génétique, une part d'histoire avec le traumatisme ou dégénération qui peut jouer. On a aussi la déformabilité des tissus. Quand je veux écarter le bras, il faut que j'ai une certaine souplesse du grand pectoral, du fascia sous-axillaire qui tolère la déformation. Si je n'ai pas ça, j'aurai une perte d'amplitude et mes degrés de liberté disponibles d'un point de vue théorique ne pourront pas être exploités à cause de ça. La tolérance des tissus aussi, ça donne la capacité. Si vous êtes entraîné, vos tissus supportent plus de contraintes, peuvent faire plus de choses, ils ont une plus grande capacité. Et on sait que plus nous faisons, plus nous sommes bons à faire. L'être humain fonctionne en courbe en U. Quand il est sous-sollicité, ben, il dégénère. Quand il est sur-sollicité, il dégénère aussi. Et il y a une zone d'optimale d'augmentation de la contrainte pour augmentation des capacités. Dans les capacités, nous avons la commande. Est-ce que notre cerveau, notre organisme, sait construire une commande efficace pour réaliser les choses qui nous intéressent? Puis la transmission nerveuse, est-ce que cette commande, si elle est efficace, c'est d'être transmise? Est-ce qu'elle est aussi intégrée avec un contrôle gestuel efficace, une intégration efférence-efférence? Et puis, est-ce qu'on a de la force et un métabolisme nécessaire pour créer de la force et de l'énergie? Est-ce que nous savons transmettre cette force avec nos tendons jusqu'à nos attaches osseuses? Et puis, il faut penser aussi que l'être humain a besoin de cette perméabilité gaz, liquide, nutriments, a besoin d'absorber des éléments du monde extérieur pour fonctionner et permettre notre métabolisme, et que ces éléments-là, ils ont besoin aussi d'être véhiculés dans l'ensemble de l'organisme,
Et donc tout ça, ce sont des éléments de capacité qu'a l'organisme et qui vont nous permettre une partie de la fonction. Et maintenant, comme nous disons que capacité donne la fonction avec son interaction contrainte-support, eh ben, on peut envisager que la contrainte environnementale peut être un problème. Par exemple, la personne habite au quatrième étage, est-ce qu'il y a possibilité de compenser ça? Est-ce qu'on peut y pallier? Est-ce qu'elle a un ascenseur? Ou est-ce que si elle a une contrainte environnementale d'un terrain instable, est-ce qu'on peut l'aider avec une béquille pour l'améliorer? Est-ce qu'on peut lui aider sur son chaussage, donner des contentions qui vont pouvoir aider? Et puis si on ne peut pas modifier l'environnement ou y pallier, est-ce que la personne peut s'y adapter dans un temps relativement raisonnable? Parce que toujours, il faut envisager que les personnes peuvent s'adapter, mais est-ce que le temps long est disponible ou pas? Ensuite, on a des contraintes qui viennent des individus, des personnes qui sont amotivées, qui ont une faible confiance dans leurs capacités, ou des faibles connaissances de leur état de santé, ce qui va influencer leur état de santé, sont aussi des personnes qui vont avoir des contraintes et peut-être moins faire des choses. Si vous ne vous sentez pas capable de faire, en général, vous ne faites pas et vous créez une prophétie autoréalisatrice de ne pas savoir comment je peux faire et est-ce que je sais faire et comment m'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi à envisager. Après, on a des éléments de support qui vont aussi être intéressants. L'environnement, est-ce qu'il y a des supports qui vont aider? Est-ce qu'il y a des proches qui peuvent aider pour compenser des choses? Est-ce qu'il y a déjà des compensations aussi qui sont disponibles pour la personne? Des aménagements des trottoirs ou les bâtiments et nouvelles normes pour les personnes à mobilité réduite ou les sons pour les personnes qui ont des déficiences visuelles ou autres pour être passage piéton? Il y a plein de choses dans l'environnement qui peuvent être faites, voir est-ce qu'elles sont disponibles pour la personne. Et puis on a aussi les éléments favorisants individuels, hein, la flexibilité mentale à l'inverse des personnes qui ont tendance à répéter toujours la même chose, que la personne peut envisager de nouvelles solutions et changer de ses schémas et du potentiel cercle vicieux qu'elle a mis en place qui était inefficace. Et puis à l'inverse, qu'elle a de motivation, la confiance dans ses capacités, est-ce qu'elle connaît des solutions déjà qu'elle peut mettre en place pour gérer son problème? Maintenant que nous avons essayé de résumer un peu ces éléments-là et de dire que nous réfléchissons en tant qu'ésthépeute sur la fonction, qu'il y a des éléments qui sont favorisants, défavorisants à partir de nos capacités, essayons d'envisager un modèle synthétique de comment pourrait fonctionner l'être humain avec des bases anatomiques. Voici une petite modélisation pour dire que la personne, quand elle veut faire quelque chose, on a en premier lieu, on va dire, une espèce de désir de faire et une motivation quelconque de ce désir de faire. Soit qu'il y a de la faim, soit un besoin à satisfaire, soit une anticipation, quoi que ce soit. Bah, ce désir va aussi engendrer une possibilité d'action en disant, bah, ok, j'ai envie d'aller boire un verre, et ben qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme action? Cette action-là, quand elle va être définie et comprise, elle va interagir avec la partie émulatrice du cerveau, dans le sens émulateur qu'on propose certains neurophysiologistes, qui est de se dire que le cerveau fonctionne avec la capacité à simuler le monde extérieur, le monde physique extérieur. Il en le simule assez bien, il en fait une émulation. Et ces règles-là qu'il arrive à intégrer vont guider nos actions. Quand cette commande est réalisée pour être cohérente avec l'environnement, elle va après aller au niveau médullaire et avoir une interaction pour être modulée par l'état de l'organisme, hein, en fonction de est-ce que l'organisme est déjà étiré ou est-ce que je suis en train de marcher sur une punaise pour aller me lever, chercher mon verre. Il y a une modulation en fonction de l'état de l'organisme et du monde extérieur qui va interagir avec cette commande. Et puis, on va arriver à une intégration, puis le message final va être transmis dans les nerfs, après la moelle épinière, jusqu'à un effecteur. Et l'effecteur, il va faire les choses, mais contraint par son métabolisme. Est-ce qu'il a les capacités métaboliques pour faire? Est-ce que la personne est affamée ou est-ce qu'elle a un mauvais métabolisme d'un point de vue génétique? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des freins? On a envisagé la capacité du degré de liberté, de la déformité des tissus. Est-ce qu'il y a des freins qui vont pouvoir contraindre l'effecteur? Et bah, quand on va réfléchir à ça, ainsi on va pouvoir envisager des cibles thérapeutiques en réfléchissant, bah, est-ce que j'ai un problème de la création de la commande, de l'intégration de la commande avec les autres éléments? Et puis est-ce que j'ai la capacité à transmettre cette information à des effecteurs qui ont la capacité aussi de faire?
En plus de ça, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une fonction de réception de l'organisme et que la réception va aussi jouer. Quand je vais faire une action, quand je vais contracter un muscle, bah vous savez que vous allez mettre en contrainte le tendon, l'articulation, et que dedans il y a de la sensibilité. Vous avez différents récepteurs nerveux qui vont pouvoir dire bah, comment se déforment les choses et comment ça fonctionne. Ces informations-là vont être transmises vers le système d'intégration dont nous avons parlé tout à l'heure, puis pouvoir remonter vers le système d'émulation qui va permettre la perception, à condition qu'il y ait un désir de perception. Vous savez bien que votre attention fait que vous percevez ou pas les choses. Merci pour votre attention. C'était une petite vidéo d'introduction à la seconde partie pour refaire le lien avec la première partie et introduire un début de modèle de représentation et de réflexion sur comment fonctionne l'être humain et sa fonction pour pouvoir envisager comment choisir nos traitements et nos systèmes d'évaluation.